Outros países europeus poderão ter de intensificar a sua ação para compensar o sério impacto negativo da decisão da Alemanha de cortar a ajuda militar à Ucrânia. O governo de Berlim deverá atribuir apenas 4 mil milhões de euros no orçamento de 2025, quase metade dos 7,5 mil milhões de euros deste ano. A proposta orçamental que a coligação governamental finalizou na passada sexta-feira, após longas negociações, vai agora ser analisada pelo Parlamento alemão. Évidemment, cela va avoir un impact en termes surtout, je pense, financiers. Quant à l'aide militaire concrète en termes de matériel apporté, on voit quand même que la Pologne devance l'Allemagne à ce niveau-là. On sent bien que ce sont les pays limitrophes de l'Ukraine qui participent davantage. Il faut noter le cas quand même particulier du Royaume-Uni qui apporte également une contribution de loin supérieure à celle de la France, de l'Espagne ou de l'Italie. Desde 2022, a União Europeia e os seus Estados-membros doaram 38 mil milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia, dos quais 28 mil milhões de euros vieram da Alemanha. A ajuda alemã foi dada principalmente sob a forma de fundos, aos quais se soma o valor de 5 mil milhões de euros em arsenal enviado pelas suas forças armadas. O G7, que reúne as sete maiores economias do mundo, está a discutir a possibilidade de utilizar parte dos 300 mil milhões de dólares em ativos russos congelados para fornecer material militar à Ucrânia. Mas não será uma decisão rápida. Non, ça ne pourrait pas constituer vraiment une ressource pérenne pour appuyer les Ukrainiens dans leur résistance face à la Russie. Il faut bien se rendre compte que ces quelques 300 milliards, si mes souvenirs sont bons, devront être éventuellement distribués entre plusieurs pays, et c'est au G7 que la question va être débattue et négociée. On ne sait toujours pas quelle sera l'enveloppe qui sera attribuée aux différents États. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura un accord pour, je dirais, mobiliser cette réserve. Et encore une fois, cette réserve, ce sera du one shot. Ce ne sera pas une mesure structurelle qui pourra permettre de s'inscrire dans le temps long. O maior doador de ajuda militar à Ucrânia é os Estados Unidos, que enfrenta eleições em novembro. A atual administração democrata prometeu manter o apoio, mas o candidato republicano Donald Trump promete retirá-lo se for eleito. Isabel Marques da Silva, Euronews, Bruxelas.